Salut tout le monde, c'est moi-même, formateur pour lire son exhumé de 10 à tes productions. Je dis merci à tout le monde qui t'a consacré tout le temps, qui t'a regardé l'histoire que je t'ai fait déjà. Ou même qui peut regarder, je invite à faire ça dans le lien dans la description parce qu'il faut regarder pour une histoire pour comprendre tout ça que nous allons faire dans le deuxième histoire. Et puis merci à vous-même qui t'a abonné et puis qui t'a like page là ou même qui pour faire ça moi vidéo abonnez-vous à notre page là activez cloche notification pour pas rater rien dans ces vidéos tutoriels ça que m'a fait moi vidéo vous voir la vidéo ça du commencement à la fin parce que pas quelle belle bagarre qui réservé pour même qui a gagné tout pas trop attendre moi faire présentation déjà n'a passé directement sous interface de Linux comment pour nous entrer une source sur Linux merci direction ordinateur. Ok, ça c'est interface Linux que je t'ai présenté déjà dans la vidéo que je t'ai fait. Ou même si vous regardez la vidéo, je vous invite à courir parce qu'il est important pour vous regarder et vous savoir comment passer dans la vidéo. Ça. Nous allons arrêter, nous allons directement ajouter une entrée. Nous avons ajouté une autre là, la partie de notre fenêtre pour nous, qui a une variété de raccourcis que nous avons besoin pour nous mettre sous nous. Nous avons présenté tout ça au monde tutoriel bien spécialement pour éviter nous capables de prendre plus de temps. Nous allons directement dans l'appareil photo, c'est là que toute caméra est bien. Le fil a changé l'interface là-bas. Nous allons aller dans l'appareil photo là encore. Vous cliquez sur lui et vous choisir la caméra là. Et puis, même caméra, c'est ça, HP Vision IPA. Vous cliquez sur lui. Et puis dans ce bagage ça, il va besoin pour changer résolution image, ça va dépendre des caméras qui dans mon. Si caméra pas tellement bon, il va demander pour changer résolution. Bon moi-même pas moi, c'est comme ça m'a quitté 1280x720. OK, et puis après ça, on a cliqué sur OK. Avant tout ça. Ça c'est caméra moi qui monte là. Je nous capable là, je me déposer te là, interface là. Ça c'est parti côté. Pour capable révisualiser ça qui va faire ça c'est parti pour capable révisualiser ça qui va aller sur internet là ça qui va aller sur plateforme là et puis tout nous gagne là c'est là que vous mettez pour nous si tout parmi des modifications à faire là-dedans nous capable faire modification on va expliquer ça pour nous dans notre tutoriel bien précis nous va aller combien comment pour nous capable mettre un audio sur lui. Nous allons faire le même genre, nous allons ajouter une entrée, et puis tout, nous allons aller dans entrée audio. Entrée audio, on a cliqué sur lui. Et puis là, pour la fenêtre, on va faire comme ça pour nous. On a cliqué là, audio device. Et puis on a cherché nos sources, par exemple, par le microphone, on a cliqué sur lui. Et puis tout, on dit OK. Une fois audio entré, je suis capable de remarquer là, on a pris l'ibanouti égalisateur vers ça. C'est ça qui va nous contrôler. Pour capable mixer audio à tout là, dans le tableau de mixage, on est capable de monter le volume, on est capable de descendre tout. Cette fois, si on a un jambe bas, on est capable de tendre le capable d'aller là, dans l'outil par maintenant. Après, on a pris et puis tout, on a pris là, on est capable de mixer audio. Pour mixer audio et pour balancer bien. Et puis bref, on a passé avec l'étape suivante. Comment vous capable d'entrer un bon petit par ça ou comme un journal télévision sous Linux. Nous allons directement ajouter une entrée, même genre avec notre logo. Et puis nous allons dans titre mal, on a cliqué sur lui. Et puis tout, il va nous une variété de titres. Que nous sommes capables d'utiliser. Il y a une variété de titres que nous sommes capables d'utiliser. Ça, c'est eux-mêmes. Ça, c'est eux-mêmes. On a choisi une qui a approprié ensemble avec vidéo. Par exemple, ma prends ça. C'est dans cette horizontale là. Vous faites, cliquez sur lui et puis vous allez dans OK. À mon petit temps. Tout de suite, il change l'interface là pour vous, il va ouvrir l'autre fenêtre. La fenêtre, ça, c'est là que vous pouvez paramétrer. C'est là que vous pouvez paramétrer les titres courants. C'est là que vous pouvez paramétrer. Par exemple, si vous voulez prévisualiser plus bien,
va montrer nous n'a cliquer là je vais expliquer nous là tableau ça c'est pour capable visualiser travail là la monter là pour et puis tout sous le changer paramètre pour changer par exemple là m'a mettre design deck production. Bon, nous avons remarqué que le texte est trop long, il va vraiment gérer ça, nous devons gérer ça tout à l'heure. Et puis tout, nous allons dans la description, nous allons dans le tuto, nous allons dans le tuto, sous Vimix. Ok, qu'est-ce qui fait le texte est plus beau que le titre? Nous allons gérer ça, nous allons dans emblème ça, hein? On a pas le marqué front, on a cliqué sur lui. Là, vous avez le fenêtre bas, ça, c'est que nous capable capables de front, capable de mettre en normal, oblique, italique, ça va dépendre de jonglier, pour capable de mettre en gras, small, là, bas, ça. Et puis tout là, c'est comment pour capable de mettre ça, il y a 72, ma personne n'y a 36. Et puis, ici, appliquer, je trop petit. Je vais mettre la 48, appliquer, ok, là, le normal. Si je veux mettre la 50 ou sinon, si j'aimerais maintenant, mettre la 50. Et puis, je dis appliquer. Et puis, je vais changer le front, là. Parce que je vais tourner, je vais pas racheter. Je vais mettre ça, là. Ok, ça, normal. C'est pas ça. Je vais mettre la 55. Ok. Nous finis et puis tout, on dit ok, on y a la ligne normale. Et puis l'on finit, on met fermé onglet, il n'y a pas de problème. On ferme, on y a la ligne. On y a la comment pour faire pour capable mettre directement en bas, là, pour capable paraître même déjà avec le journal de télévision. On va être très simple. On va aller là, on clique sur lui, là, et puis on clique sur le chiffre 1. On va cliquer sur le chiffre 1, la font traduction directement, la paraître en bas ça. Bon, mais quand on voit les gens mal placés, ça va problème, nous allons corriger ça. Pour corriger ça, qui ça que nous fait? Nous allons aller, nous faire deux clics sur lui, dans ce sens-là. Là, vous verrez notre fenêtre par nous, très rapide, bien rapide, et puis nous allons aller dans position. Position, là, nous sommes capables de baler le zoom, nous sommes capables d'étirer, nous sommes capables d'élargir, nous sommes capables de retirer là, nous sommes capables de couper là, nous sommes capables de faire le pencher, nous sommes capables de faire le pencher. Un petit zoom seulement à Bali et puis tout ma fronti étiré ma fronti monter comme ça ok et puis il me dit vous me fermez ça il n'y a pas de problème ouais, comment il paraît bon ça c'est tout ça que vous êtes capable de faire sous même tout ça va dépendre de vous vous avez choisi un autre titre vous êtes capable de choisir un autre fond vous êtes capable de choisir un autre couleur texte ça va dépendre de vous même bon moi juste besoin de montrer nous comment vous êtes capable de prendre le titre là. Comment on peut prendre l'image avec son sous Vimix là. Je pense que c'est grâce à ce que j'ai dit, c'est qu'il vidéo. Merci à vous-même qui consacrez tout le temps pour regarder vidéo ça. Souvenez mes vidéos, pas négliger, pas de like. Et puis tout, si vous avez des questions, quittez des questions pour nous dans les commentaires. Je vous remercie spécialement. Merci à tout le monde qui est abonné déjà. Et si vous faites ça, abonnez-vous à la chaîne là. Activez la cloche de notification pour ne pas rater un dans ces uniformes de ce que vous avez fait. Et puis, rendez-vous pour la prochaine étape là.